Alors, vous me demandez si je me rappelle de ma première visite en forêt noire pour voir les Duravites. Évidemment qu'il y a des impressions qui étaient que la forêt noire était vraiment noire. La forêt noire était vraiment noire et que je me suis dit, oh là là, ça doit être quand même quelque chose d'extraordinaire de vivre là, au milieu de cette forêt qui est vraiment noire. Et au milieu de cette forêt vraiment noire, il y avait un éclair de lumière, il y avait une boutique qui est toujours là, au bord de la route, qui vendait des coucous. Coucou, 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 coucou. Et ils vendaient des coucous petits comme ça, et ils vendaient des coucous géants. J'ai tout acheté, évidemment, et je me suis dit, des gens qui vivent dans le noir de la forêt noire et qui aiment les coucous ne peuvent pas être totalement mauvais. Qu'est-ce que m'inspire les 200 ans du Duravit? Eh bien, quelque chose d'extrêmement clair, qui est que l'honnêteté est le meilleur investissement. C'est-à-dire, aucune compagnie ne peut durer 200 ans, ou même 100 ans, ou même 50 ans, ou même 20 ans, si elle n'est pas basée sur cette fameuse honnêteté, et si elle n'est pas basée sur une réalité du travail. L'important, c'est le centre de la chose, qui est le savoir-faire, quel qu'il soit. Ces gens-là ont un savoir-faire dans quelque chose d'extrêmement compliqué qui est mouler de la porcelaine. La porcelaine, c'est la pire matière du monde. Vous apercevez que le moule va être comme ça. Vous faites, c'est pas le moule de ce que j'ai dessiné. Il me dit, si, si, parce que là, la porcelaine va faire comme ça. Là, elle va faire comme ça. Là, elle va faire comme ça. Et là, on va la dresser comme ça. Et je fais, waouh! Et donc, c'est pas des théories. Ce n'est pas un ordinateur, ça s'appelle l'empirisme. Et l'empirisme, c'est une des grandes beautés de notre humanité, de notre espèce animale. C'est la beauté de gens qui, par hasard, trouvent, par observation, et se disent, on peut en faire quelque chose, et on le fera mieux, et on le fera mieux, et on le fera mieux. J'imagine qu'il y a 200 ans, ce que devait faire Duravit, c'est une espèce de poterie plus ou moins, on va dire, informe, sûrement très belle parce que déjà faite par la main de l'homme et par le feu et par l'eau, vous êtes informe quand on pense maintenant à la perfection absolue. Ai-je vu évoluer l'univers de la salle de bain à travers ma collaboration avec Duravit? Oui. Oui, beaucoup. La première fois que je les ai rencontrés, ces gens formidables me demandaient de faire presque des objets de mode, en mettant des couleurs, en mettant des formes très particulières. Et j'ai refusé. Ça a été d'ailleurs un moment un peu de non-compréhension entre nous, car je n'imaginais pas que un lavabo puisse être à la mode, puisqu'on peut quand même imaginer que c'est un objet solide, purement fonctionnel, et qu'on peut essayer de l'avoir pour longtemps. Et donc, on est passé d'un objet de consommation à un objet de durabilité, ce qui est évidemment l'intelligence. S'il y a vraiment quelque chose qui doit rester dans le temps, qui doit durer, qui doit être hors de toute tendance, donc petit à petit, on a construit notre intelligence de la durabilité. Et aussi, Duravit s'est exprimé dans son ADN, la beauté de son ADN, qui est d'être allemand. Et il y a dans l'allemand des choses magnifiques qui sont l'honnêteté absolue. L'honnêteté, le devoir de donner à l'autre l'objet, le produit le plus honnête possible. Et pour cela, il faut travailler. Donc c'est l'amour du travail. Et ça implique l'amour de la durée du travail. Travailler avec Duravit, au début, j'étais choqué. J'étais choqué parce que moi, à contrario, j'aime évidemment la durabilité, j'aime l'héritage, mais j'aime bien malgré tout le faire vite. Malgré le fait que l'on se connaisse, qu'on soit des équipes extrêmement rodées, eh bien, il n'y a pas un produit qui sorte qui n'a pas été pensé au minimum 3 ou 4 ans avant. Donc, il y a une grande beauté à une époque de société de consommation, d'immédiateté, de vitesse, de voir des gens qui disent non, non,
on ne fera pas n'importe quoi. On n'ira pas vite pour prendre des parts de marché. On n'ira pas vite, on ne prendra pas une technologie qu'on ne connaît pas. On fera les choses bien ou on ne les fera pas. La créativité est une façon pour moi de mériter d'exister. Et ça tombe bien parce que, je le répète, c'est une maladie mentale. C'est une maladie mentale qui fait que je vis seul, comme un moine, en me levant très tôt, en me couchant tôt, en mangeant le moins possible, ça ne se voit pas parce qu'hélas il y a les voyages, et en étant en permanence dans l'avenir, dans l'avenir, dans l'avenir. Pour comprendre finalement ce que je suis et la vie, et pourquoi tout ça, c'est le mythe de Faust. Faust vend son âme au diable. Moi, j'ai dû faire une erreur étant jeune. J'ai vendu mon âme au diable pour créer. Et donc, c'est ce que je fais depuis mon premier jour de naissance jusqu'à ma mort. Après, il faut un petit peu de savoir naturel, on va dire technique, qui est juste professionnel, mais ça, c'est normal quand on est un petit peu curieux. Mais avant tout, c'est le même travail, car c'est comment puis-je faire pour aider ma tribu à avoir une meilleure vie ? Donc ce n'est pas le produit qui est important, c'est le profit qui ira à la personne qui vivra dans l'endroit ou qui vivra avec le produit. La beauté, c'est de faire un métier qui est vital, c'est-à-dire un métier qui sauve les vies, qui crée les vies, pourquoi pas, et qui sauve les vies. Le design n'est pas vital. Le design, à son mieux, peut avoir l'espoir, si ce n'est la prétention, d'améliorer la vie. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le cas d'améliorer la vie, nous sommes dans le cas d'urgence, en prioritaire, de sauver les vies. D'ailleurs, les designers disparaîtront dans très peu de temps, puisque la partie intelligente de la production humaine suit un scénario très précis et avec beaucoup d'intelligence qui s'appelle la dématérialisation. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de matière, et moins il y a de matière, plus il y a de puissance et de compétences. Et la réalité de demain, c'est la seule chose qui soit passionnante. L'histoire est derrière nous. Le présent, il faut essayer d'y survivre. Et le territoire du rêve, le territoire de la beauté, le territoire de la construction, c'est évidemment l'avenir.